Salam sama gars, journalen vote bi metoul hein, vote metoul dañ cliquer ci lien bi. Bo cliquer ci lien bi dañ la yobou nga choisir Grégoire. Mais bo mën ta cliquer ci lien bi, dañ dugg site bi pulse.sn. Pulse.sn bo fa duggé yomuna. Donc après dañ cliquer ci trois traits. Bo gué trois traits mu indi le news, divertissement, business. Nga dem pulse influencer awards moy bi nek souf. Nga dem fofu nga bind nga cliquer sport. Bo cliquer sport mu indi le liste bi, liste ba ngi ni nga cliquer Grégoire. Donc affaire metou la non lay démé. Voter len en masse ngén woné doolé bi Grégoire am ku ñëmé na nga taxaw ku ragal na nga daw géré ga ngi ñëw dal sen kaw. Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suivants et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport d'homme Garindiaï Warul Tit Warul Ragal. On va parler de milieu terrain qui monte en puissance, un milieu terrain donc qui a sa place hein, en équipe nationale du Sénégal et qui peut bel et bien faire partie de la liste des sélectionneurs pour la Coupe du Monde. Je parle de John Lopi. John Lopi, il fait un très bon début de saison. Premier match face à Marseille, il n'a pas joué. Mais après, il a gagné sa place au sein du milieu terrain. Dès face à Lens, il a été exceptionnel. Donc le numéro 26, Rémois, donc confirme toutes les attentes. Donc, d'abord, je suis venu à la juillet saison. Mon vieux goulot n'est que remplaçant et tout. Mais il y a une bonne chose. Je suis venu à la grande confiance. Je suis venu à la grande c'est le pour le Sénégalais. À l'aise avec le ballon, physiquement bien. Donc, je pense que John Lopi, s'il a une bonne hygiène de vie, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football sénégalais. Tu sais, une chose est sûre, Alice, c'est le bon moment. Il doit l'appeler. Parce qu'il n'a plus rien. Donc, on a envie aux autres milieux de terrain. Il est compétitif. Il joue les grands rendez-vous en France. Et il fait de très bonnes prestations. Et donc, il a une carrière. Il a été formé ici au Sénégal, Oslo. Il a porté le maillot U20, def Coupe d'Afrique, Coupe du Monde au Bouba en 2019. Donc, vraiment, je pense que c'est le bon moment pour Alice de l'appeler. Donc, d'autant plus qu'Alice est un militaire qui a été exploité, comme Moustapha Nam. On a vu, mais exploité les larmes de Moustapha Nam. Donc, il y a Chypre. Est-ce que vous avez Chypre? Même si demain dans un grand club en Chypre, est-ce qu'Alizé donc va continuer à appeler Moussa Fanam? Est-ce que le championnat chypriote est meilleur que le championnat saoudien? Est-ce que le championnat chypriote est meilleur que le championnat qatari? Comme nena ñi nek fofu doon wo. Le championnat chypriote est meilleur que donc Simba Essay bu pas Ousmane Sako qui joue la Ligue des Champions africaine. Est-ce que c'est meilleur que Zamalek ou bien Al Ahly? Donc si Moussa Fanam n'a pas dissu avec le coach, il peut vraiment donc subir les conséquences parce que pas bonne guerre après demain Alizé dem Grèce. Et c'est bon, il y a un peu de temps. Actuellement, il y a un demi sport, il y a des trucs. Mais je pense que même à l'usage, donc, techniquement, nous avons glacé Alfred Ndiaye, nous avons carambo, nous avons un frigo, congélateur. Mais John Lopi, il est à l'aise avec la balle, il peut jouer donc, devant la défense, il peut jouer derrière le numéro 9, il peut jouer donc, numéro 8. Donc, vraiment, je pense que à l'usage, c'est le bon moment. John Lopi, il mérite une sélection. Il a toutes les compétences nécessaires pour occuper une place au milieu de terrain. Comment là ben ñeu rek ras gaay nek titulaire mais avant ni équipe nationale metté ñom pas marar sar la ñom John Lopi ay Boukari Soumaré s'ils veulent venir Pape Gueye Gane Gueye ay Nampolis bientôt dañuy droité ils ont 29 ans 30 ans ils vont pas durer mais ñe ils ont 20 ans ils peuvent jouer 10 ans en équipe nationale donc dañuy terrain intégré boy adapté wu té la xam même bu dem coupe du monde donc ñu xamné amnañ tank équipe nationale et après la coupe du monde ils vont prendre la relève. Je pense qu'à l'UCC, prochaine liste, on doit jouer donc, fin septembre, deux matchs amicaux face à l'Iran et à la Bolivie. Et j'ai la ferme conviction que John Lopi sera convoqué. Par dernière conférence de presse, tout le monde nous a dit John Lopi, donc il peut venir en équipe nationale, mais on ne peut pas appeler tout le monde. Et je pense qu'avec la forme du moment de John Lopi, c'est le bon moment pour donc, l'appeler et le récompenser de ses belles prestations avec le Stade de Reims, qui fait partie des meilleurs clubs du championnat français. Hein. Donc, en ce moment, ils font de très bonnes prestations. Ça, c'est très clair. Lyon, Rouge, John Lopi, Sévère, Molen, Khawayakal, mais ils ont tenu tête au Racing Club de Lens. Donc, ça, c'est très clair. Donc, John Lopi, il a les atouts pour intégrer le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Et je pense que j'ai la ferme conviction que John Lopi pourrait donc occuper le poste de milieu de terrain. Il y a d'autres joueurs. Malansa, il a été toute l'air hier avec Monaco. Monaco s'est imposé. Malansa, il est devenu titulaire dans une défense à 3 de l'AS Monaco. Il peut jouer avec central gauche, il peut jouer comme latéral gauche. Donc, moi aussi, je suis venu à l'équipe nationale. Alice est tout donné. Je pense que bon, il est un jeli. Malansa, c'est un joueur talentueux. Et il a de l'avenir. Mon âge est doublure, ça réussit. C'est un gauche, ça réussit à mon club. Donc, au cas où Alice
Mais on ne sait jamais. Suspension, maintenant, blessure. Maintenant. Donc, malgré ça, je pense que le prochain rassemblement, elle se voit comme non. Actuellement, il a du temps de jeu avec Monaco. Il a tenu tête face à l'OGC Nice, Gaëtan Laborgou, donc Andy Delors, Nicolas Pepe, ils ont fait un clean sheet. La def. Ismaël Jacobs, donc début de saison jeune, mais KO indiqué, moi tout l'air. Moi, actuellement, Del Nova, mais il a eu quelques minutes de jeu, contrairement à Fodé Balotouré. Je pense que Malassar, il peut être appelé par Aliou Cissé. Je pense qu'il est polyvalent en défense, un bon gaucher, et actuellement, il est tout l'air avec l'AS Monaco. Il l'a montré hier face à Nice, il est solide. Donc, il joue le très haut niveau. Je pense que c'est le bon moment aussi. Malassar, maintenant renforcé axe central gauche, maintenant renforcé aussi donc, le poste de derrière gauche. Parce que Moussa Niakate, il est blessé. Mais, donc, s'il n'est pas apte, je pense que comme alternative, donc, on peut avoir donc, Malassar. Parce que c'est un très bon défenseur, un gaucher avec le même profil qui peut dépanner défense à 4 dans l'axe, défense à 3. Donc, dans l'axe, ou bien latéral gauche, ou même piston, parce que c'est un joueur polyvalent, talentueux, ancien joueur de l'OGC Nice. Je pense que c'est le très haut niveau. Sénégal actuellement, Aliou Cissé en fait. S'il a le courage vraiment de prendre les joueurs en forme du moment, on peut faire une très belle Coupe du Monde. Donc, Gaëtan Ndiaye, Warul Tite, Warul Raga. Rappelons que hier, Diabalé était doux remplaçant, Sparta Moscou, Zenit dernier remontada, Sobolev Moyo. Je que Dougal, mais après dernière remontada, Zenit Momon Fofu. Donc, remontada, 2-1. Mais Diabalde a disputé son premier match en Russie. Mourou Ndiaye, inquiétude. Donc, il serait touché. En Nervine, il se peut que Mouto, quelques semaines, de jouer. Donc, là aussi, ça peut être une mauvaise nouvelle pour l'international sénégalais. Et une mauvaise nouvelle aussi pour Aliou Cissé. Parce que Ndiaye fait partie des joueurs réguliers appelés, donc régulièrement appelés par Aliou Cissé. Donc, Gaëtan Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragal, John Lopi en équipe nationale, Malassar en équipe nationale. Je pense que c'est le bon moment pour les deux matchs de préparation de la Coupe du Monde. Donc, avec les Lions du Sénégal. Quel est le commentaire? Match de préparation. Mané, amené Iran, amené Bolivie, mais dessiné un club européen, donc un pays européen, une nation européenne comme les Pays-Bas. Dans mes commentaires, Mané, il y a la Ligue des Nations. Donc, Grégoire, beaucoup le critiquer, mais des fois, dans les Hollandais. Alors que la Belgique, je ne sais pas si la Belgique va jouer un match amical le 18 novembre. À deux jours du démarrage de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, semaine internationale, amna. Mais Coupe du Monde, vous et qui boulot n'est pas ces matchs de préparation. Parce que c'est la période préparatoire de la Coupe du Monde. Moi, je dis que, si vous avez il faut que creuser. Parce qu'il y a des gens, dès que vous suivez, vous avez critiqué. On accepte les critiques, mais des critiques avec des arguments. C'est la force de l'argument. Mais pas l'argument de la force. Nous, les critiques, nous avons des affaires. Parce que nous, on fait des recherches. Belgique, on a à deux jours du démarrage de la Coupe du Monde, ou bien à trois jours, match amical. Donc le Sénégal peut bel et bien accrocher, décrocher un pays européen après le mois de septembre, parce que la Ligue des Nations amène. Avant le démarrage de la Coupe du Monde, nous avons pour arrêter le championnat, le Sénégal peut bel et bien organiser un match amical avec un club, avec un pays européen qui a le même style que les Pays-Bas pour préparer le match contre les Pays-Bas. Parce que moi, c'est un premier match. Donc, à l'issue, à faire ça, vous pouvez le faire. Parce que Belgique a deux jours du démarrage, le 18. Dañuy jouer. Donc, moi, je suis dañuy creuser. Les gars, dañuy ñëw rek di wax. Mané ko man duma teub di wax nonu. Néw na luma wax yëpp dëgg la, mais généralement je creuse. Sinon, inconditionnel, dañ ma wo wala ñu message ma wala ñu commentaire, néma légui je tiens compte de ça pour faire de très bonnes vidéos. Bégué sama gars.